Eh ben, les impressions sont plutôt bonnes. À travers la prépa, j'ai pu monter en puissance. Au début, ben, je venais un peu du club de D2, donc c'était un peu la découverte. Et au fur et à mesure des entraînements, des matchs amicaux, etc., eh ben, j'ai pu monter en puissance et pu faire un peu mon nid avec du temps de jeu en D1 directement, quoi. C'est plutôt athlétiquement. Et physiquement, c'est des vrais athlètes comparés au monde de la D2, qui est un peu plus amateur, on va dire, avec des différences entre les clubs un peu qui sont pros, enfin qui ont des structures pros à côté, et les clubs un peu amateurs. Donc c'est sûr qu'il y a une différence plutôt par rapport au niveau physique, quoi. Non, sur les matchs où j'ai pu être décisive, c'est plutôt une bonne performance. Après, il faut que je continue, bien sûr, parce qu'on est encore loin d'être arrivé. Et va falloir que je sois décisive aussi dans des matchs importants et qui comptent vraiment pour notre championnat à nous, quoi. Alors, c'est vraiment un bon match collectivement. On a pu garder beaucoup plus le ballon. On a pu se montrer un peu plus dans le jeu. Après, il va falloir aussi que, à travers mon poste, finir beaucoup plus les actions, parce on aurait pu plutôt marquer plus rapidement. Et donc, c'est dans ces matchs-là où c'est le plus important de marquer rapidement et de se mettre à l'abri avant les 20 dernières minutes, pour ne pas être en stress directement derrière, quoi. Oui, c'est ça. C'est surtout que le club nous a donné ses objectifs, des objectifs ambitieux. Et ça passe par gagner des matchs importants contre des équipes qui jouent le maintien. Et c'est à travers des matchs comme ça où, si on le gagne, bien sûr, on peut regarder plus haut dans le championnat et jouer les plus hautes places. Pardon. Oui, ça va, c'est bien. J'ai pu aussi recroiser Léna, qui est aussi une Alsacienne. Et donc, à travers Léna et avec les autres filles, je m'entends très bien. On a pu déjà sortir dans Dijon, regarder par exemple le basket, enfin des choses comme ça. Du coup, ouais, Dijon me plaît beaucoup et c'est un peu plus petit que Strasbourg, mais on y vit bien. Ouais, je suis beaucoup comme ça. Moi, quand je vais sur le terrain, c'est pour prendre du plaisir. Et si je prends pas de plaisir, j'ai rien à faire sur le terrain. Et oui, bien sûr, je chante beaucoup. Après, ça, c'est plutôt pour avec mes copines, donc ça va. Mais c'est juste, moi, le plus important, c'est prendre du plaisir sur le terrain et à l'entraînement. Et ça passe par là, avoir le sourire et être toujours positive.